tutrice, mon rôle est assez facile parce que ma tutrice, je lui dis bonjour, je lui dis t'as des bonnes notes, elle me dit non, bon, je lui mets un petit peu trop de presse, mais voilà quoi. Je suis pas méchante, hein. Je lui dis juste, tu vois, la prochaine fois, essaye de faire mieux parce que t'as vu, après, on va dire notre groupe, il est nul. Mais scolairement, en fait, j'aimerais que, tu vois, elle élève un petit peu le niveau scolaire. Pour l'aider à progresser, j'aimerais qu'elle vienne au local, travailler un petit peu plus parce que pour qu'on l'aide à faire ses devoirs, etc. La responsabilité que j'avais, elle était de les prendre, de leur montrer les activités, de les aider à faire, etc. Je me suis dit, c'est des enfants normaux, sauf qu'ils ont des difficultés. C'est tout. J'ai les guerres de pression parce que je me dis que si je sais faire, elle peut faire, etc. Donc j'essaie de la mettre dans le bon chemin. Et surtout, vraiment, moi je suis une tutrice trop cool, vraiment. Donc elle peut être à l'aise. Nous sommes des êtres humains, donc si je fais une erreur, elle peut en faire. Donc voilà. En tant que tutrice, je me dois de lui montrer l'exemple. Et si je ne suis pas parfaite, je lui dis clairement, oui, je suis pas parfaite. Mais toi, tu dois être parfaite. Tu ne dois pas suivre mon exemple, justement. Moi, je dois te mettre dans le droit chemin. Donc, est-ce que toi, ça ne te met pas une pression? Alors, en tant que tutrice, je n'ai guère de pression parce que... Je n'ai guère de pression. Une tueuse. Je n'ai guère de pression, Molière. Vas-y, on recommence. Attends, on recommence. Excuse-moi parce que c'était trop beau. Recommence. Ah, je veux dire une chose qu'une fois. Je n'ai guère de pression. Alors,